déjà une combinaison. La mienne qui est faite. On va seulement ajouter la combinaison automatique. Nous permet d'avancer rapidement dans tout ce qu'on va faire. Tout est là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va dimensionner les barres. Accélération. ILS, accélération, SLS, comme ça en anglais. État unique du service, état unique du team. Les barres à dimensionner ici. On va choisir quelle barre. Pas tout payant. On avait déjà fini pour le poteau. On va se concentrer seulement pour le poteau. Et maintenant que ça, c'est le ferraillage théorique. On a étudié le ferraillage théorique parce que le ferraillage théorique permet de ferrailler tous les éléments. Nous avons les poutres circulaires qui sont bien sûr constituées des segments droits. Pour ce faire, c'est difficile de faire le ferraillage réel avec ce type de poutre-là, comme c'est ce qu'il est. On va faire le ferraillage théorique pour tous les éléments pour avoir, pour connaître le diamètre à utiliser, les espacements, tout ça. Fonction et disposition constructive que nous connaissons, on peut utiliser ces diamètres-là. C'est la section d'armature pour bien disposer nos armatures dans notre section. Alors ça, on va prendre cette disposition ici, on clique sur la seconde pour voir les caractéristiques. Qu'est-ce que nous avons? Général béton 25 par 30, résistance à 25, dégâts à 28 jours, position du filage 2, largeur des fissures admissibles 0,3, classe expression X et 4, c'est-à-dire pour les éléments exposés, classe des structures S4, classe expression X et 4, classe des structures S4, donc c'est-à-dire une structure qui a une durée de vie de 50 ans. Tout est là. On prend seulement cette sélection ici. Copie ça. Copie et on va coller. Coller. Appliquer. Ça va. Fermer. Si tout est bon, on lance maintenant le calcul. Sont finis. On voit ici le résultat. La poutre 1, sa largeur 0,40. Bon, ça c'est la position. Ce qu'on a dit ici qui puisse calculer la poutre en 5 points. La barre 1, il a divisé ça, il y a le 5.040, 2e, 3e, 4e et 5e point. Caractéristique, là, transversale 2 phi de 8. Quand on dit 2 phi 8, c'est de 2 bras. Les deux bras, ce sont de 2 bras de diamètre 8.
Déplacement, ouverture, déplacement des barres transversales, donc 3 fois 30, 3 fois 30, 3 fois 30, déplacement des 30. Flèche niveau 6.45, armature supérieure 4 fil des 16, 6.45, donc 4 fil des 16, au-dessus, en bas. Partout. Autre info, nombre total 144, nombre de sélections 126, sélections, c'est de suite. Pour les poteaux, on va pas calculer ça parce qu'on a déjà calculé pour les poteaux et ok, ça c'est pour le ferraillage théorique. Et on peut maintenant passer au ferraillage réel. Pour ce faire, il faut sélectionner un élément qu'on veut calculer. Prenons par exemple cette poutre ici. Il s'agit duquel? Du fil 8. La poutre 32, bien sûr. Poutre 32. 3 fil de 16. 2 fil de 16. 3 fil de 16. 32. Clique sur dimensionnement pour trouver.
2. Ok, calcul. Merci. Change en rabage. Un et trois. Il n'y a pas d'erreur. Okay. Le paiement. La clôture de la poutre 32. Espacement. Donc 40. Une fois. 14 espacement section de ça. Voir le plan d'exécution. Ça va. Ça est fini maintenant pour la modélisation de la poutre, du machinement de la poutre.